Salut tout le monde, c'est Michael Skull et aujourd'hui on est de retour en France. Comme vous le savez tous, il est temps de reprendre nos deux roues parce que le quad c'est bien beau mais la plupart d'entre vous ils sont là pour boire en bécane quoi. Donc aujourd'hui on prend la CB. C'est parti. Entendre rugir, oh putain, qui c'est qui a fait ça? Mein Gott! Donc pour qu'il rugisse, bien évidemment, je baisse les rapports, parce que vu que j'ai le silencieux. Et à la MotoGP, oh putain! Et voilà! Et nous voilà au bord de mer, Mentone, dans le sud de la France. Déjà les décorations pour Noël. Et aujourd'hui, on va préparer la vidéo pour The French Vegan Show parce qu'on va manger, je crois, ici, juste là. Alors maintenant, je les cherche. Ça va être par là. Normalement, ils doivent être dans le parking. À moins qu'ils aient du retard. Et ça. Ça m'étonnerait. Allez là! Allez là! Ah, j'ai reçu un message. Donc, a priori, ils sont pas arrivés. Je les attends toujours. Personne en vue. Pas de Fiat Punto en vue. Two hours later. Ils sont toujours pas arrivés. Alors je me casse. Non, en fait ils sont là. Donc voilà, ils sont arrivés. Je vais vite aller me garer. Ah bah tiens. Juste là. Pouf pouf pouf. Voilà, là je vous présente toute l'équipe qui va filmer cette vidéo. Dis bonjour à la caméra. Non, la chave. La moto écolo. Bah, donc voilà, on est ici pour cette petite vidéo. Je vais vous parler aussi de ce que je vais faire plus tard. Donc sur mes prochaines vidéos. Voilà la vidéo que je vais vous faire sur quelques trucs et astuces. Sur les réflexes à avoir en moto. Elle arrivera bientôt celle-là, vous inquiétez pas. On reste toujours avec le même format de vidéo, hein, donc savoir une vidéo toutes les deux semaines, parce que mieux que ça je peux pas faire et ça serait très compliqué. Comme ça en même temps ça me laisse le temps de vous préparer d'autres choses, donc comme ça j'ai un peu d'avance sur ce que je diffuse. Donc ces vidéos là elles vont arriver, et là surtout ce que j'essaye de mettre en place, donc justement on l'essaye aussi dans cette vidéo, voilà, les BMistes. Ah, il y en a un qui m'a mis tose. Donc on essaye de mettre en place, c'est un système voilà, où ils essayent de me filmer en dehors de la moto, donc pour pas que vous ayez tout le temps la vue du casque ou d'une autre partie de la moto. Donc on verra comment ça rend. On fait des essais en même temps, on
sert de cette vidéo pour faire des essais. Donc voilà, on essaie de mettre ce système en place, donc je sais pas comment ça rend. Donc là, à mon avis, ça doit choper un peu la bagnole. Mais on essaie de mettre ce système là en place, donc ça va être pas trop mal. Donc là aussi, j'ai reçu une pièce pour le micro, comme vous avez pu le voir sur Facebook. Donc, parce que la GoPro 5 n'a pas justement de système pour le micro. Un petit caillou qui s'est envolé. Donc elle n'a pas de système pour le micro, donc j'ai dû acheter l'adaptateur qui m'a coûté 60€ pour maintenant avoir un micro. Donc là, j'utilise toujours des écouteurs. Mais voilà, ça me permet d'enregistrer directement sur le boîtier. Donc, ce qui est très intéressant pour moi, parce qu'avant, là devant ma tête, vous vous disiez, mais comment il faisait alors avant? Eh ben avant, j'étais obligé de filmer, puis après avec mon téléphone, enregistrer le son via mes écouteurs. Donc c'était un gros bordel pour filmer, et maintenant c'est plus facile de jouer comme ça. Donc voilà. Ben, il veut que je fasse un dab. Et deux. L'autre, il a dit rien. Bon, ben, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce jeune? Qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Vas-y, filme. J'essaie de mettre le système en place. Donc, c'est assez compliqué. Ouais, ben... Donc, voilà, je sais pas comment ça rend. Là, c'est pour eux. Je sais pas comment ça rend, on verra au montage. En tout cas, c'est super sympa à eux. Donc voilà, les amis, on va aller leur serrer la pince. Ça va, les amours? Donc il y a The French Vegan Show qui filme. Abonnez-vous à sa chaîne, il y aura tous les liens dans la description. Vous inquiétez pas, maintenant on est devenu toute une bande de potes. Je pense que le plus casse-couille, quand même, ça doit être moi. Là, du coup, il doit avoir le bras congelé. Oh là là. Il doit vraiment avoir le bras congelé, le pauvre, parce que là il fait quand même assez froid. Je vais pas vous mentir. Hey, ta voiture elle fait pas ça, hein? Elle ronronne pas, hein? Diesel, mazout. Mais bon, voilà, bref, trêve de bavardage. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos, parce que ça me fait énormément plaisir. Et moi, ça me fait toujours énormément plaisir de vous les sortir, parce que celle du kart, elle est vraiment sortie pas en mode catastrophe, parce que le montage était terminé, mais il y avait plein de problèmes aussi liés à l'exportation. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous contents de me suivre maintenant. Donc je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.